seul endroit où il y a ces... Je pense que l'Église catholique est à sa place. L'Église évangélique n'existe pas pour faire disparaître l'Église catholique. C'est une Église chrétienne qui reconnaît Jésus. Je ne vois pas pourquoi on voudrait faire disparaître l'Église catholique. Je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Chacun doit aller là où il se sent bien. Je pense que c'est une très bonne chose. La seule chose, c'est que quand on est jeune, on a besoin de conseils, on a besoin de guides, on a besoin de mentors, on a besoin de pères. Et lorsque vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de repère. Et celui qui n'a pas de repère se perd. Donc il est important que les jeunes comprennent que l'onction sans la sagesse, c'est une folie. Il serait important que ces jeunes-là restent attachés, restent connectés à leur père, à leur devancier, pour ne pas mourir avant le temps. Parce que souvent, ça arrive par manque de sagesse. Voilà. Sinon, c'est une très bonne chose qu'il y ait beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu. Ça va encourager beaucoup de jeunes aussi à se donner au Seigneur et à savoir qu'on peut être chrétien, on peut être jeune chrétien et servir Dieu. C'est pas interdit, c'est pas exclu. C'est une très bonne question parce que c'est une question à polémique. Mais par rapport aux Écritures, que dit la Bible? La Bible dit que personne ne doit séparer ce que Dieu a uni. Bon, s'il y a divorce, ce que la Bible autorise, il peut y avoir divorce en cas de cause d'infidélité. S'il n'y a pas de cause d'infidélité, le divorce est nul et non effet. Maintenant, c'est quoi la cause d'infidélité? C'est ce que les gens ne savent pas. Beaucoup de gens pensent que c'est que l'adultère. L'adultère fait partie des causes d'infidélité, mais l'adultère, ne renferme pas toute la cause d'infidélité. Je donne un exemple. Si vous vous mariez à quelqu'un dans l'église et que après vous vous rendez compte que cette personne refuse d'adorer le Dieu que vous adorez, cette personne est d'une religion contraire, c'est une cause d'infidélité vis-à-vis de votre Dieu et vis-à-vis de l'engagement qu'elle a pris devant vous. Ça, c'est une cause de divorce. Vous pouvez vous marier à une personne qui peut vous cacher au départ que elle est impuissante, par exemple. Et la Bible dit deux personnes marchent ensemble sans s'être convenues. Si vous découvrez que la personne est impuissante, ça veut dire que la base, le fondement de votre relation a été le mensonge. Vous êtes libre de partir. La Bible dit aussi que si vous avez épousé un non-chrétien dans 1 Corinthiens 7 et que ce non-croyant veut vivre avec vous, il peut vivre avec vous, mais dans le but de l'amener au Seigneur. Mais si demain vous découvrez que ce non-croyant ne veut pas accepter votre Dieu, ou fait des pratiques mystiques, ou par exemple adore un Dieu étranger, ou est idolâtre, c'est une cause d'infidélité. Vous pouvez dire, donc il y a plein d'exemples comme ça qui rentrent en ligne de compte. Donc il faut comprendre que le mariage, ce n'est pas un piège. Voilà, tout ce que Dieu a fait, il a fait par dualité, c'est-à-dire que il a fait avec son contraire. S'il y a la vie, il y a la mort. S'il y a le bien, il y a le mal. S'il y a le jour, il y a la nuit. Donc, s'il y a le mariage, il doit avoir le divorce. Et c'est en réalisant qu'il y a le divorce qu'on maintient son mariage. Mais ce qu'on enseignait aux évangéliques, c'est que dès que vous êtes marié, la femme peut tout faire, mais l'homme peut tout faire, il n'y a pas de divorce. Mais quand on voulait que les couples marchent, si on rentre dans le mariage avec cette mentalité, lorsqu'on aime quelque chose, on retient la chose. Donc, si on sait qu'en se comportant mal, on peut perdre son conjoint, on fera attention à notre comportement. Parce que le mariage, ce sont les droits et les devoirs. Mais comment voulez-vous vous marier en voulant jouir de vos droits sans respecter vos devoirs? Voilà. Donc, quand on se marie, à l'origine, c'est pour ne pas divorcer. Mais quand la cause d'infidélité rentre en ligne de compte, on peut divorcer. Voilà. Et la cause infidèle, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a institué. Et je ne pense pas qu'il y ait un être plus important que lui pour abroger ce que le Seigneur a institué. Ça ne veut pas dire de divorcer pour un oui ou pour un non.
Il faut que la cause d'infidélité soit justifiée. Sinon, même si vous le faites, Dieu n'en tient pas compte. C'est comme si vous étiez toujours marié. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Ce que nous faisons, c'est que s'il y a des personnes qui sont intéressées, les personnes prennent la tâche avec nous et nous, on envoie un pasteur. Voilà, on ne peut pas être partout en même temps. Donc, ceux qui sont intéressés, on commence par une cellule. Et puis après, si l'endroit est propice, s'il n'y a pas trop d'adversité, trop de persécution, on ouvre l'église. Pour nous, ce n'est pas la capacité qui compte, c'est qu'il y ait deux ou trois qui reconnaissent que Jésus est Seigneur. Donc ceux qui veulent, nous sommes à leur disposition. Je pense que c'est une attitude sectaire. Le corps de Christ, ce n'est pas les quatre murs. C'est l'église, c'est tous ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Tous ceux qui le reconnaissent comme époux. Donc ça veut dire que il y a deux sortes de mariages. On se marie en tant que chrétien, c'est-à-dire que si vous êtes évangélique et l'autre est évangélique, on fait la bénédiction du mariage à l'église. D'abord, en tant que pasteur, nous n'avons pas mandat de marier les gens. Beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà, il y a trois étapes dans le mariage. Il y a la dot qui revient à ceux qui ont mis leur enfant au monde, qui acceptent de donner leur enfant comme mari. Ça, c'est la première étape. Donc, étant régi dans une société civile, un état de droit, il faille qu'on aille à la mairie pour déclarer qu'on veut prendre tel ou tel pour époux et pour épouse, et la personne assermentée, qui est officier d'état civil, vous déclare mari et femme. Lorsque vous êtes déclaré mari et femme, en ce moment maintenant, vous allez à l'église pour faire la bénédiction. Donc l'église ne fait que la bénédiction du mariage. Donc des personnes peuvent être dans une église, se marier à l'église et puis ne pas se sentir prête pour faire la bénédiction. Puisque peut-être que l'autre, un est catholique, l'autre est évangélique, ils peuvent se marier légalement, mais on ne peut pas faire la bénédiction parce qu'ils n'ont pas la même confession de foi. Voilà, mais n'empêche qu'ils sont mariés. Maintenant, quand les deux sont évangéliques, on peut faire la bénédiction à l'église. Mais ce n'est pas une bonne mentalité de marier les gens dans l'église. Ça, c'est sectaire, ce n'est pas bon. Voilà. Les gens se marient parce qu'ils s'aiment. Ils ne se marient pas parce qu'ils sont de la même église. Voilà. C'est dans nos projets et nous sommes en train de travailler dans ce sens. Nous cherchons juste l'occasion, l'opportunité d'avoir quelqu'un pour commencer quelque chose au niveau des États-Unis. Même au Canada, on a plein de projets, mais on travaille. Par la grâce de Dieu, on va y arriver. La femme a une place très importante, hein. Même auprès du Seigneur, les femmes ont été les personnes les plus fidèles. Donc je pense que la femme a une place prépondérante, puisque la femme est partenaire avec Dieu en ce qui concerne la procréation. Et vous verrez que dans toutes les églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Voilà, parce qu'elles sont plus disposées à suivre le Seigneur. Mais je pense que la femme doit connaître aussi sa place dans l'église. Voilà, par exemple, à la Megvie, le mari est le chef et la femme, elle est le sous-chef. Voilà, c'est-à-dire, il n'est pas question que la femme soit au-dessus de l'homme. Donc, nous, on marche selon les principes de la Bible. Voilà, je serais très mal placé pour le dire, mais je fais beaucoup de choses. Depuis 15 ans, nous faisons l'effort de scolariser les gens, d'héberger, d'aider les gens, d'aider les démunis, les veuves, les orphelins, les étrangers, les prisonniers. Nous menons beaucoup d'actions et maintenant avec la cellule de communication, nous avons décidé maintenant de communiquer là-dessus parce que nous faisons beaucoup de choses. Même hors de l'église, j'aide les autres églises, qu'elles soient catholiques ou protestantes, quelle que soit la confession musulmane, je soutiens les églises, les mosquées. Pour moi, c'est ça, la religion, l'œuvre de Dieu. Donc, nous avons décidé maintenant de communiquer là-dessus. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous verrez les actions que nous posons en ce qui concerne le social. Bon, je vais dire, un chien ne fait pas de chat. Donc, si il y a beaucoup d'artistes, c'est parce que moi-même j'ai été artiste, mais il n'y a pas que des artistes.
Il y a plus de personnes normales que d'artistes. Donc, on ne peut pas dire que c'est une église de stars. Effectivement, il y a des personnes publiques qui viennent, ce qui est normal, parce que moi-même, j'ai été une personne publique dans le monde. Donc, c'est normal que ceux qui m'ont connu me fassent confiance et viennent voir un peu ce que je fais. Donc, ceux qui ont été convaincus sont restés. Sinon, il n'y a pas que des stars, il y a plus de personnes normales que des stars. Donc, ceux qui veulent venir voir peuvent venir voir. Ils constateront que ce n'est pas une église de stars, c'est pas, on n'est pas là pour s'amuser. Même s'ils sont des stars, je pense que ces stars aussi ont le droit de connaître le Seigneur, ont le droit d'être sauvées. Donc, elles ne viennent pas en tant que stars, mais elles viennent en tant que brebis, elles viennent en tant que fidèles. Je pense que l'église de Côte d'Ivoire est. Surtout l'église évangélique a du chemin parce que par rapport aux pays anglophones, aux pays qui ont connu le réveil avant nous, les églises sont très avancées. La première des choses que je remarque, c'est que nous avons pris la mentalité francophone qui est de ne pas respecter l'homme de Dieu. On a l'impression que l'homme de Dieu, c'est notre camarade, c'est notre ami, alors que les anglophones qui ont compris ce mystère ne voient pas les choses de cette manière. Et je vois aussi que l'Église en général en Côte d'Ivoire n'est pas mature. N'est pas mature parce que il y a eu plusieurs phénomènes qui m'amènent à dire ça. Et je pense que l'Église gagnerait d'abord à être unie, à être solidaire et à être mature. Quand il y a eu le phénomène Béhanzin, ça a ébranlé toute l'Église alors que c'était quelqu'un qui n'avait pas toute sa tête. Et il y a même des personnes qui ont quitté leurs églises parce qu'une personne étrangère est venue accuser les pasteurs. Et je trouve ça immature. Voilà. Donc, l'église gagnerait à être plus solidaire. Je pense que les loups ne se mangent pas entre eux. Nous adorons le même Dieu. Nous avons la même confession de foi. Ce n'est pas normal que des évangéliques n'aiment pas d'autres évangéliques. Ce n'est pas normal que des églises voisines ne s'adresse pas à la parole. Voilà, l'Église est une et indivisible. Si nous appartenons à Christ, c'est que nous avons le même Dieu, nous avons le même Seigneur, nous avons la même adoration et nous devons être solidaires, nous devons nous aimer les uns et les autres comme le Seigneur nous a indiqué avant de partir. Voilà un peu ce que je peux dire de l'Église en général en Côte d'Ivoire. La première des choses est d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu se manifeste de trois façons. Vous avez la parole écrite de Dieu, qui est la Bible. D'accord? Vous êtes la parole insufflée de Dieu, qui sont les Écritures, qui sont les révélations. Dieu peut t'inspirer une parole. Et puis il y a la parole révélée de Dieu, qui est la prophétie. Maintenant, la parole écrite aussi est une prophétie. Mais le plus important, on ne peut pas connaître Dieu sans connaître sa parole. Donc, vous cherchez à connaître la parole de Dieu et deuxièmement, la mettre en pratique dans votre vie. Voilà. Et pour réussir dans ce domaine, parce que on ne peut pas être médecin sans avoir fait la médecine. Donc, quand vous n'êtes pas habilité à devenir pasteur, il est important que vous ayez un guide spirituel qui vous conduit. Voilà. La Bible, ce n'est pas un bouquin qu'on lit et on découvre Dieu à partir du bouquin, non. Il y a la lettre et ça dit qu'il y a l'esprit. Donc la lettre, c'est ce qui est écrit, mais le rhéma, c'est la pensée de Dieu que quelqu'un doit vous inculquer. Donc il est important de comprendre que on ne peut pas connaître Dieu parce qu'on lit la Bible. Si vous lisez que la Bible, vous aurez une connaissance intellectuelle de Dieu. Mais vous ne connaîtrez pas Dieu réellement. Il faut appartenir à une église, il faut avoir un guide spirituel, il faut avoir un père spirituel, un mentor, quelqu'un qui va vous enseigner les rudiments, les principes de la parole de Dieu. C'est comme ça seulement qu'on découvre Dieu et on apprend à connaître Dieu. On ne finit pas de connaître Dieu. On peut connaître Dieu tout au long de notre vie, mais au moins avoir une bonne base. Mais je pense que c'est, en tant que chrétien, on doit être ivre de l'esprit de Dieu, non de l'alcool. La Bible interdit l'ivresse. C'est clair. Et la Bible dit que ceux qui aiment la liqueur et le vin n'ont pas d'avenir. Donc
C'est une substance pour les perdants, pour les vauriens. Et nous, en tant qu'église des leaders, l'alcool interdit chez nous selon les principes de la parole de Dieu. Voilà. On aura l'occasion d'en débattre une autre fois, mais en tant que chrétien, nous ne devons pas consommer l'alcool. Or, moi, je pense que la jeunesse doit tirer ses valeurs de l'église, pas de la rue, de la cour de récréation, pas des amis ou pas de la télé, mais elle doit tirer ses valeurs de l'église. Donc, les jeunes eux-mêmes devaient se tourner vers Dieu, comme nous, nous l'avons fait. Et tout jeune qui a pour principe la parole de Dieu ne peut pas s'égarer. Voilà. On veut vous faire croire que c'est la vie, mais c'est la mort. Voilà. Nous, à notre époque, on ne broutait pas, on ne volait pas, on ne braquait pas. Aujourd'hui, la jeunesse rentre dans la facilité. Il faut que la jeunesse doit comprendre que, à leur temps, là, ça sera encore plus dur. Et il est important qu'ils aillent à l'école, qu'ils fassent des études, qu'ils fassent de bonnes études, afin d'avoir les mêmes chances que les autres. Donc, la drogue, l'alcool, la cigarette, le broutage, tout ça, c'est des choses éphémères. Ce n'est pas fait pour quelqu'un qui veut vivre longtemps. Donc, c'est des choses que je déconseille à la jeunesse. Soyez sérieux, soyez sobre, soyez intègre, soyez juste, obéissez à vos parents, obéissez à Dieu, et puis obéissez à vos instructeurs, vous savez, vos professeurs, tout, tout, tout. Et vous allez réussir. Nagui TV, la télé des leaders. Vous continuez de suivre Megvi TV, la télé des leaders. Nous sommes en live. Il est exactement 18h15 minutes. Ici même à Abidjan, nous sommes avec son éminence l'archevêque Guy Vincent Kodja, qui est avec nous au siège de Megvi TV. Il a répondu à plus d'une dizaine de questions. Je vous rappelle qu'il est le président fondateur de la mission évangélique Grâce de Vie, la Megvi, qui est une église, qui est l'église des leaders, qui se trouve être le seul endroit au monde où l'esclave devient prince et où le prince devient roi. Nous avons fait une petite pause pour laisser l'occasion aux internautes de souffler et tout à l'heure, nous allons repartir avec les quelques dernières questions dans 2 minutes. Nagui TV, la télé des leaders. L'Afrique a réellement un problème spirituel. C'est un problème spirituel parce que c'est pas normal que l'Afrique est l'un des sous-sols les plus riches au monde et que les Africains soient aussi pauvres. Et que la première occasion, c'est les armes qu'on sorte et qu'on ne s'asseye pas pour discuter. Chaque fois que les pays occidentaux ne veulent pas d'un homme, ils vont utiliser son propre frère pour le déstabiliser, pour le renverser. Bon, je pense que c'est un problème spirituel. Les hommes d'État gagneraient à avoir des guides spirituels qui vont donner des conseils dans le sens de la paix. Nagui TV, la télé des leaders.